La mort de Ngor. Ngor est mort. Ngor est mort. Hommes et femmes du pays de Movindo, je vous annonce l'atroce nouvelle. L'illustre fils d'Issoué et Dakunga, Dakunga, petit-fils de Ta Mundele, Ngor, votre fils, Ngor, votre frère, Ngor, votre père, Ngor, votre oncle n'est plus. Ngor a été arraché à la vie. Hommes et femmes du pays de Movindo, que ceux qui dorment sortent de leur sommeil, que ceux qui vaquent à leurs occupations interrompent leur besogne, que ceux qui parlent se taisent un temps. Hommes et femmes du pays de Movindo, accordez-moi tous votre attention. Je vous annonce la mort de Ngor. Pleurez, mes frères, pleurez, mes sœurs. Versez vos larmes pour votre digne frère, pour la charité dont il vous a couvert toutes ces années durant. Pleurez-le pour l'œuvre qu'il a su accomplir au bénéfice de notre communauté. Hommes et femmes du pays de Movindo, préparez-vous à lui accorder de dignes funérailles, comme on le faisait autrefois, à l'époque de nos ancêtres. Hommes et femmes du pays de Movindo, Ngor est mort. Pleurez, mes frères, pleurez, mes sœurs. La nouvelle avait parcouru le pays de Movindo à la vitesse de l'éclair. Et au passage du crieur, comme à l'unisson, les cris et les pleurs agitaient les foyers, déchirant par assaut le silence imposé par la nuit. Le crieur se déplaçait de village en village pour annoncer le décès de Ngor, comme on le faisait dans l'ancien temps. Chaque fois qu'il arrivait à l'entrée d'un village, il interrompait sa marche, aspirant une large coulée d'air frais, lui soufflait à se rompre les cordes vocales dans son ouf, flippant les yeux fermés, le visage tendu et les narines au bord de l'éclatement. Il répétait l'exercice deux ou trois fois. Le hurlement de l'olifant interrompait alors brutalement toute l'activité dans les maisons.